Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, quand j'ai vu la toute première fois, je parle évidemment pour ceux qui ont connu Neverwinter Nights depuis sa sortie, c'est-à-dire en 2002. Moi, la première fois que j'ai vu ça, alors que j'étais une gamine de... Alors, je devais avoir 12-13 ans, quelque chose comme ça. Quand j'ai vu ça la première fois, j'étais scotchée. Évidemment, aujourd'hui, on a des cinématiques de folie bien meilleures que ça. Mais je vous parle du symbolisme de cette cinématique. Le fait que on voit directement un aventurier qui s'aventure dans des ruines étranges et qui se fait accoster par un minotaure. Je sais pas, moi en tout cas, c'est, même si le gameplay du jeu n'est pas du tout la même chose que ce qu'on a vu dans la cinématique, ça je m'en fous, ça n'a rien à voir. Mais juste le fait de voir qu'on peut être un aventurier qui s'aventure quelque part, juste ça, et s'imaginer les aventures qu'on peut y vivre, eh bien moi, ça m'a scotché dès le départ. Bienvenue sur Neverwinter Nights. Bon, j'ai terminé la création de personnages, plus ou moins on va dire. Mais avant de commencer, je tenais à vous lire la petite... une petite partie du lore de mon personnage. Que je viens de... J'ai pris mon temps pour l'écrire et voilà, donc je vais vous le présenter tout de suite. Je vous présente Alois Astariel, jeune humain paladin. Je reviendrai sur ce choix un peu plus tard. Né dans un milieu modeste, le jeune Alois a toujours été fasciné par les héros, les légendes et surtout les chevaliers et les paladins. Leur courage, leur bonté, défendre la veuve et l'orphelin, même en des temps aussi sombres, cela a toujours inspiré Alois à faire de son mieux pour accomplir ses rêves. À ses 20 ans, l'apprenti paladin reçut une étrange lettre venant de Dame Aribès en personne, la championne du seigneur Nacher, lui proposant une formation à l'académie de Padivert. Sans aucune hésitation, le jeune homme s'est tout de suite mis en route vers la cité pour rendre justice et faire le bien de son mieux. Mais... est-ce que ses ambitions rêveuses sauront faire face à la dure réalité? On va voir ça immédiatement. Donc voilà, c'était le lore de mon personnage. En fait, ce que j'ai bien aimé, c'est la possibilité de rajouter une partie de lore. Ça ne sert strictement à rien, personne ne le saura, vu que personne ne va regarder et que bon, je joue toute seule, voilà. Mais franchement, l'idée qu'on puisse créer une petite une petite histoire sur son personnage comme ça et le valider dans sa fiche de personnage, franchement, je trouve ça génial personnellement. Donc voilà, on va passer à la suite. Le Nord Arctique, c'est le nom donné à la frontière morne et impitoyable au-delà des hautes landes de Faerûn. Une région désolée où les clans barbares et les tribus de géants errent sur la terre et où de féroces dragons règnent sur les cieux. Mais au cœur de ces froides terres sauvages se dresse un bastion de la civilisation, la ville de Padivert, la perle du Nord. Derrière les hauts remparts de la ville, des habitants robustes et courageux mènent une rude existence dans cette morne région, sous l'égide du légendaire héros, le seigneur Nacher à la Gondar. Cependant, il existe certaines choses contre lesquelles tout le courage du monde ne peut rien faire. Un mal terrifiant s'est abattu sur la ville, une épidémie virulente qui s'est déclenchée dans le nid des mendiants. Bientôt, tout Padivert allait frémir sous l'étreinte de la mort hurlante. Personne n'ayant réussi à trouver un remède à la maladie, la panique prit le dessus et les rues s'embrasèrent de violence. La Perle du Nord fut mise à genoux. Pour sauver Padivert, Dame Aribès de Tilmarand, paladine de Tyr et bras droit du seigneur Nacher, lança un appel pour trouver un champion. Nombreux furent ceux qui répondirent à sa demande. Certains attirés par l'honneur et la gloire, d'autres par l'appât du gain.
Ceux et celles dotés du plus grand potentiel furent dirigés vers l'académie pour suivre un entraînement et un enseignement dispensés par les plus brillants esprits de pas divers. Tous espéraient découvrir parmi ces nouvelles recrues un champion qui sauverait la ville de la mort hurlante et de toute sinistre puissance qui pouvait en être la cause. Nous sommes à l'académie. Donc jusque-là, ça va. On a 50 pièces d'or. On n'est pas très riche, ça vous étonne. Pardon. On est ravis. Donc voilà, il y a une épidémie à pas d'hiver. Et comme vous avez pu le constater dans la cinématique, c'est la merde. Donc tout le monde espère trouver à l'académie un champion qui pourra nous sauver de tout ça. Qu'est-ce que je pourrais dire avant de commencer? Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris un humain paladin? C'est tout simple. C'est ce que j'avais pris la toute première fois que j'y ai joué. Mon cousin m'avait conseillé de prendre un paladin parce que c'était... C'est une classe assez simple à jouer. On sait soigner, on sait combattre, on sait se défendre, etc. Donc voilà, pour un début... Bah en fait, Neverwinter Nights, c'est mon tout premier RPG, hein, dites-vous bien ça. Et je l'ai testé dès sa sortie. Et donc, quand j'ai lu la description de paladin, parce que il y a une explication sur toutes les classes, hein, ce que c'est, ce que ça fait, etc. Mais il y avait une part de lore dans la description. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours eu une profonde admiration pour les paladins. Non, plutôt pour les chevaliers. Parce qu'au début, avant Neverwinter Nights, je ne savais pas ce que c'était qu'un paladin. Mais moi, tout ce qui est chevalerie, défendre la veuve et l'orphelin, combattre le mal, rendre justice, etc. Moi, j'étais fascinée par ça. Et je le suis encore. Je vous parle pas, évidemment, de la réalité, parce que je me doute bien qu'au Moyen-Âge, les chevaliers n'étaient pas comme ça, et beaucoup, c'était... Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que je m'en fous de la réalité. Je veux pas la savoir, je suis pas là pour ça. Si je joue, c'est pas pour me prendre la réalité dans la gueule, hein, c'est vraiment pour rêver, tout simplement. Je trouve que rêver, c'est quand même quelque chose d'important, mine de rien. Et on le fait pas assez. Je dis pas qu'on doit mettre la réalité de côté, hein, c'est pas ça que je veux dire. Comme la réalité peut être assez dure, tout le monde le sait, hein, n'est-ce pas? Mais le fait de pouvoir s'échapper dans un livre, dans un film ou dans un jeu, moi je trouve ça fabuleux en fait. Le fait de pouvoir rêver à des choses, c'est vraiment génial, je trouve. Donc voilà, vous allez me dire, mais Silver, ton personnage il est un peu comme toi. Dans le sens où son histoire me ressemble un peu, c'est vrai. Je me suis peut-être inspiré de ça. C'est possible. Et vous allez peut-être même me dire qu'il est naïf, vu qu'il pense un peu comme moi à ce niveau-là. Bon, après, je tiens à préciser que mon personnage, Aloïs, ce sera pas moi. Hein. Je tiens à préciser. C'est comme d'habitude, hein, je crée un personnage différent de moi et je le joue RP, tout simplement. Ça n'a pas changé. Mais voilà, je tenais à faire ces petites précisions. Le gameplay ne plaira pas à tout le monde, mais honnêtement, moi, c'est un de mes jeux favoris. Et c'est mon jeu coup de cœur. C'est mon tout premier RPG. C'est celui qui m'a... En fait, ce jeu, c'est ce qui a fait... C'est ce qui a agrandi mon amour pour les RPG. C'était vraiment très intéressant. Donc voilà, c'était la petite parenthèse inutile que tout le monde s'en fout comme dans l'an 40. Mais vous l'avez. Voilà, je m'en fous, j'ai dit ce que j'avais à dire. On peut y aller. Pavel. Enfin vous êtes debout. Je craignais que vous ne dormiez toute la journée. Je crois que les instructeurs de l'académie vous en font baver. Ah ben, tu m'étonnes, les mecs, ils sont en mode, il nous faut un champion, donc on va pas badiner en faisant du favoritisme, quoi. Alors, Pavel, l'homme est attentif et prêt à répondre à vos questions. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à son voisin direct, qui est juste là-bas. Et c'est la même description. En fait, ils sont frères tous les deux, mais on va le découvrir assez rapidement. Je m'appelle Pavel, l'une des nouvelles recrues. Je suis arrivé à l'académie ce matin. Vous êtes bien Aloïs Astariel? Oui, je suis bien Aloïs Astariel.
Est-ce vrai ce que l'on dit à votre sujet que Dame Arribes en personne a ordonné ? Oh, on se calme. Oui, bon, j'avais, dans mon lore, j'avais dit une lettre, mais ordonné carrément, ça fait un peu extrême, je suis d'accord. Que Dame Arribes en personne a ordonné à l'académie de vous envoyer une invitation pour que vous y suiviez un entraînement ? Je n'ai jamais entendu parler d'une personne qui aurait été invitée à étudier à l'académie. En général, ce sont les gens qui supplient pour qu'on les laisse entrer. Ça doit être un grand honneur. Ah, vu comme ça, oui, c'est... Vu que les gens, ils pleurent pour rentrer parce que c'est la merde dehors, oui, ça doit être... c'est un grand honneur. Pour moi, c'est à la fois un honneur et un privilège de servir Padivert. Tu es très modeste pour quelqu'un dont on attend tellement. Pour moi, ça a été plus dur d'entrer à l'académie. Ah, tu m'étonnes. Mon frère Bim et moi, nous travaillons dans l'une des fermes à l'extérieur de la ville. Donc, je disais, mon frère Bim et moi, nous travaillons dans l'une des fermes à l'extérieur de la ville quand nous avons entendu l'appel de Dame Arribes qui cherchait des héros pour défendre Padivert. Vous voyez, c'est tout simple à lire. Je vois pas le problème. Nous savions que la ville souffrait, mais pas à quel point. Nous sommes arrivés juste avant qu'ils ne ferment les portes pour mettre la ville en quarantaine. Grâce au Dieu, l'académie m'a accepté. Je n'aimerais pas être dans les rues avec le fléau qui sévit. Je m'étonne, personne n'a envie d'être dehors, en fait. Et les gardes de la ville arrivent à peine à maintenir l'ordre. Alors, en fait, je ne sais pas grand-chose du fléau. Comment ça, les gardes de la ville ont du mal à maintenir l'ordre? Parlez-moi de votre frère. Je n'ai pas très envie de bavarder avec vous. En fait, je ne sais pas grand-chose sur le fléau. La mort hurlante est le pire fléau de l'histoire de Padivert. Toute la ville est en quarantaine. Personne ne peut entrer ni sortir. La milice de Padivert fait de son mieux pour faire respecter la quarantaine, mais personne n'aime être prisonnier d'une ville contaminée, sans blague. Chaque jour, de nouveaux cadavres s'empilent dans les rues et les habitants se réfugient de plus en plus dans la panique ou la rébellion ouverte. Je les comprends, ça ne fait que quelques mois et déjà les morts se comptent par milliers. Ça y va pas de main morte, hein, la mort hurlante. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Personne n'essaie de trouver un remède? La plupart des gens ont abandonné l'idée de trouver le remède de la mort hurlante. Les potions et les herbes médicinales ne font rien. Mais même les prières des prêtres les plus puissants de la ville sont inutiles. Et il faut pas demander. Hein. Ils sont capables. Ils ont des sorts de résurrection. Et là, faut croire que ça sert à rien. Je pense que c'est pour ça que Dame Arribes a demandé à l'académie d'ouvrir ses portes à de nouvelles recrues. La ville a besoin d'un héros, de quelqu'un qui nous sauvera de la mort hurlante. Mec, j'ai juste un position des mains, hein, donc je suis pas sûr que ça fera grand chose. Pardon. C'est pas drôle, je sais, mais j'aime bien rajouter une petite touche d'ironie comme ça, mais bon, soit. On raconte qu'Arribes travaille actuellement sur un remède ici. Intéressant, dans l'académie. Mais ce n'est qu'une rumeur, sans doute fausse d'ailleurs. Et quelles sont les rumeurs au sujet de ce remède? Je ne sais que ce que les gens disent dans la rue. Certains prétendent qu'Arribes a un remède et qu'elle le distribuera prochainement, mais d'autres affirment qu'elle le conserve pour son seul usage. Oui, bien sûr, c'est cela. En fait, les gens sont tellement dans une mouise pas possible avec ce fléau qu'ils sont capables de penser tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, les gens de la haute, ils sont égoïstes, ils vont le garder pour eux. Ça dépend lesquels, moi, je dirais, mais bon. Mais comme je l'ai dit, ce ne sont que des on-dit. Ceux qui sont à l'académie depuis plus longtemps que moi, on saurait peut-être plus sur le remède, si du moins il y en a un. Avez-vous autre chose à me dire? Si vous avez besoin d'autres tuyaux, adressez-vous à mon frère Bim, qui se trouve près de la porte. Sinon, je vous conseille d'aller voir Holgerd, dans l'autre pièce. Il est chargé d'équiper les recrues dans le cadre de leur entraînement. À part ça, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je suis nouveau ici, c'est vous qui avez presque fini votre formation. Très bien, ben au revoir. Oui, j'imagine que vous devez poursuivre votre entraînement. Sans doute devriez-vous parler à Holgerd dans l'autre pièce et rassembler votre équipement afin de passer la dernière épreuve et achever votre formation. On va continuer avec le vous, hein. Si vous voulez des conseils sur la vie d'aventurier, n'oubliez pas de voir mon frère Bim en sortant. Bon, son frère, lui, il va plus passer son temps à nous expliquer comment dire, comment utiliser la caméra, ce genre de choses. Sachant que je sais déjà tout ça, je pense pas qu'on va lui parler réellement. D'accord, je dois... Bon, ça va pas durer longtemps. Je vous ai vu parler à mon frère, Pavel. Je me nomme Bim. Si vous voulez, je peux vous apprendre les bases pour partir en aventure.
Bon, ça a été assez rapide. Parfait. Holgerd. L'instructeur vous jette un regard chargé de reproches. Chacun à l'académie est censé prouver sa valeur. Il n'en attend pas moins de vous. Mais c'est le marchand, c'est pas un instructeur. Bonjour. Vous venez acheter quelques marchandises au vieil Holgerd, n'est-ce pas? Bonne idée. Vous pouvez pas continuer à vous balader dans les rues sans rien sur le dos. Ça pourrait donner mauvaise réputation à l'académie. Mais absolument pas. Alors, mon petit monsieur, Aloïs n'est pas nu, hein. Je suis désolée de vous dire ça, mais il est habillé. Si, si, je vous assure, il est habillé, hein. Celle qui vérifie au cas où. Pourtant, je le vois devant moi, quoi. Donc bon... Les gardes de la ville ont déjà assez de mal comme ça à garder le contrôle. Ils ont déjà du mal assez, ils ont pas besoin d'un nudiste qui fout la merde dans les rues. Hein. Les cadavres s'empilent par dizaines dans les caniveaux. Oh, c'est dégueulasse. La mort hurlante fait des ravages dans tous les quartiers, c'est horrible, oui. Mais vous savez déjà tout cela, certainement. Tenez, j'ai de l'équipement pour vous. Un aventurier comme vous pourrait en avoir besoin pour terminer sa formation. Là, il va nous expliquer l'inventaire, donc je vais passer ça. Ben, montre-moi ce que tu as. Merci, voilà. Ça, on peut vendre. J'en ai pas besoin. Côte de maille. Est-ce que c'est mieux que ce que j'ai? Ouais, c'est quand même mieux, hein. Ouais, voilà. Donc, ça, on va le vendre. Ça, on va le vendre. Ça, on va le vendre aussi. Peut-être prendre un petit bouclier. Faut que je vérifie le poids aussi de mon perso, hein, parce que honnêtement... Donc ça donne plus 1 en armure. Ça c'est 15 de poids, nom de Dieu. Et ça... C'est 15 de poids, et en plus de ça, ça rajoute que plus 2. Donc bon, on achètera ça une autre fois quand j'aurai un peu plus d'argent, y a pas de souci, hein. Bon, bon. Alors, j'ai déjà acheté le petit bouclier, c'est déjà pas mal. Bon.